nyana la nga tambalek fanga baga yek jamba marawach degla gine warul tit mom duraka jamba marawach wandi buru albe la fek dalayta lolu la nga kwa la faida mo ave la faida kala tola yek Ibrahim Diagne, président de la commission Jeunesse, Sport et Loisirs de la ville de Dakar, venu spécialement représenter Madame le maire à cette cérémonie. Ok, pouvez-vous un peu peut-être revenir peut-être sur le contenu, l'importance de cette journée aujourd'hui, surtout pour la famille sportive, avec la délivrance de cette diplôme de formation? Mais effectivement, comme l'accoutumé, chaque année, la ville de Dakar donnait une subvention à l'ORECAF de Dakar pour les phases navetan. Cette année, avec la pandémie, il n'y a pas eu de navetan. Les gens se sont vus, les gens ont été résilients. Voir qu'est-ce qu'on veut avec la subvention, qu'est-ce qu'on peut faire et adapter à la situation. C'est ainsi que des séries de formations ont été initiées. La dernière fois, on a formé les administratifs du mouvement navetan. Cette fois-ci, les gens disent que la licence D se faisait rare un peu à Dakar et que les entraîneurs n'ont pas assez de bagages. On a initié cette formation et on a budgétisé et que la subvention a tenu compte de cela. Et on a fait la formation pour que les entraîneurs puissent avoir plus de bagages et puissent avoir cette licence, la licence D. Sous peu aussi on va former les femmes pour la partie administrative du football féminin. C'est bon maintenant, tu vois par rapport à... Oui, la ville de Dakar a fait un monde à Bujot, Moukar, Rennes, avec Fébar, Biam, Mounignon, Dadje, du football. Il y a une subvention pour les gens qui ont été défendus. Ils ont été défendus. Ils ont été défendus. Pour que licence CB fût à toi le Niaret, nous financer pour que y en bénéficier au Dakar. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Président de l'ORECAF de Dakar. En fait, Michel Cissé, ça c'est une innovation, c'est une nouveauté dans le sportif avec un secteur. Est-ce que vous ne pas au moins de renforcer la capacité de l'entraîneur? Il faut dire que ça, c'est le fruit, par exemple, d'un partenariat entre l'ORECAF de Dakar, la ville de Dakar et la Ligue de Dakar, pour justement nous permettre d'asseoir ce que nous avons appelé les ASC de troisième génération. Les ASC de troisième génération, je rappelle, ce sont ces ASC qui infléchissent cette force capacité de mobilisation du mouvement Naitan au service d'activités de développement, au service d'activités de formation, en tout cas au service d'activités porteurs de ressources humaines. Partenariat entre la ville de Dakar, la Ligue de Dakar et l'ORECAF de Dakar pour permettre que nous puissions ay liyassa yi nga xamne dañu leen man permettre ëlëk ci biir ñu man dundé ci métier bi nga xamne mom lañu gëm muy passion bi ñu def ni ñom muy football bi. Merci. Président de la Ligue de football de Dakar. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'ORECAF de Dakar avec son président, à la tête de son président, Pape Momarlo. Qui ont eu l'idée et l'initiative d'organiser ce stage de diplôme d'initiateur d'entraîneur cumulé à la licence DECAF. Car de surcroît, ça va absorber, comme vous l'avez constaté, presque une très très forte demande au niveau de la région pour la formation de ces 10 entraîneurs. Nous en faisons le maximum à chaque fois, la demande est croissante. Donc nous remercions vraiment. Nous remercions vraiment l'ORECAF de Dakar qui nous a permis au moins d'en observer quelques-uns en attendant les futurs.
Donc, au niveau de constater, au niveau de la région, au niveau du football, même national, nous avons initié cette, depuis 4 ans que tous les entraîneurs qui doivent avoir des équipes en U20, U17 au niveau régional, doivent avoir au minimum la licence D. Donc, c'est pour cette raison que nous en faisons un peu plus pour permettre à ces gosses, à ces jeunes qui veulent être des entraîneurs d'apprendre leur métier. Combien de techniciens ont-ils ? Donc, dans cette formation initiale, donc, le nombre pédagogique, c'est un nombre de 30. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui est en cours de chemin à se retirer pour des obligations professionnelles. Donc, nous avons eu pour cette promotion de Pape Amoko Doundiaye 29 stagiaires. Donc, nous avons eu 26 admis, donc 3 qui ont été ajournés. Si la fois, nous sommes vraiment ODECAF de Dakar. Je aussi de remercier le président le Pape Momarlo, qui a une idée, une initiative de faire un stage de Melni. Parce que le stage, si vous voulez que vous ayez une demande, vous savez que je suis Dakar, si entraîneur. Au contraire, Dakar demande une force trop pour entraîneur. Donc, si vous avez une structure, vous avez une diap pour le DEF. En même temps que la Ligue de Dakar aussi dit def daf ñuy dembalé ñu mëna absorber déficit bobu et yalla def na ñu ci def dank ñu ci jëm dank donc ñu ci remercier bu baax orca odeca bi nga xamné pa mo assemblée à sa tête pa mo wala bi am initiative def stage bi parce que bo gisé ñun Dakar dañu né équipe bi nga xamné ñoy tout tank yi nek ci région de Dakar bok ci Ligue de football Dakar bu ñu bënn bok dans les championnats régional bu U17 at U15 il faut nécessairement U20 at U15 il faut nécessairement que entraîneur bi am un diplôme d'initiateur un diplôme de la licence des CAF. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est le stage, je le répète, il y a beaucoup de temps passé, il y a une structure de fond, mais pas des CAF, et Inch'Allah, dans les jours à venir, il y a d'autres structures qui vont en faire. Merci. Je suis Tierno Bayla Diop, je viens d'obtenir ma licence D. Diplômé. Bon, là, je suis très satisfait, hein, à part mes 3 compatriotes qu'on a reconnus. Bon, à part ça, je suis très content, quoi. Je suis très content d'avoir obtenu. Oui, bon, d'ailleurs, bon, après ça, bon, j'espère continuer, quoi, si c'est même lancé pour obtenir le diplôme de licencié et B, quoi. Ci wolof tankam sentiment nga ci am sentiment bi moy contenté rek contenté à part bon ñi mako bokkolo ñet ñi ci téy dal mom ci xaw metti touti dal mais sinon mom content na ci inviter tamit sama yenen morom yi ñu def li quoi ndax li permettre na ñu xamné ñun dañu nekkon ci lo xamné na dal lérul won dal ndax bo duggé ci li di nga mëna xam légui nak ngay tagaté say xalé ku mëna leen jobu ci kanam quoi franchement merci beaucoup. Il y a un diplôme, bon, il y a un diplôme, parce que ça permet de nous donner un diplôme, franchement.